Et salut tout le monde, c'est Wari Matraz et aujourd'hui je suis en compagnie de Visiteur Zéro. Salut à toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce serveur, donc Smite PVP, donc un serveur PVP faction. Donc voilà, voici le chef du serveur, une petite connaissance. Donc je vais faire découvrir le serveur à Visiteur Zéro. À la base on devait faire... Je suis présent, je vois. Ici présent. À la base, on devait faire une vidéo sur Skyrim, Mais comment dire, c'est parti. Vous verrez ça dans les fails. C'est parti en sucette, voilà, donc on va arriver. En Ah sucette, voilà, on en s'apprécie pas dans sucette. les fails. Disons que pour Encore résumer, frappate. on a vu un cul de cheval. C'est parti encore frappate. Oh là, pourquoi j'ai été expulsé ici? Parce que là, Oh, c'est Gerbe! les trucs verts, les blocs d'émeraude, c'est les Ah, explosifs. c'est trop classe! C'est trop classe! Wouah! Attends. Wouah! Ah, je suis pas expulsé. Le jeu bug. Bonjour, Kalipa 93. Ah, c'est bon. Oula. Alors, où? Alors, donc ce serveur est un serveur PVP faction. Il n'y a pas encore de free build. C'est pas vraiment la base. Commençons notre découverte. Donc ici c'est le spawn, représenté par un S. Et voici la Caravision qui se connecte, hein, mais pour voir, non, c'est pas grave, ça vous intéresse pas pour le moment. Donc la salle des portails. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une assez mauvaise idée de mettre la salle des portails juste là, pas caché. Après, c'est rattrapé par la forme de fiole. Je trouve que c'est bien pensé. Ça c'est extrêmement classe, ouais. Ça c'est la grande classe. Franchement, une excellente idée, ça change de tous les portails normaux qu'on a, un peu comme ceux du Nether. Franchement, une très bonne idée, très originale. Très très original. Donc ici, l'arène PVP, on commence par le commencement. Voilà, l'arène PVP. Oh! Voilà. Oh, c'est Alors. magnifique! Oh, Hein? c'est beau! C'est beau! Non, c'est. Bon, bah, on y va. Ah. Ok, c'est là. Je Donc suis là. coincé! Oh merde! Je me suis coincé! Ben, je sais pas, remonte! Mais comment? Bah, espace! Oui, mais je Avec toi! sais, je remonte pas. Ah Comme les oui, c'est mecs, je vrai! me suis Ah, je coincé suis comme des cons. coincé aussi! On les a coincés comme des cons. Pour qu'il fasse le rôle, vu que maintenant il est sur YouTube. Donc je lui demande qu'il fasse le grand méchant avec son truc en. Ah oui, son château en forme de coque de cuisinier. Voilà, c'est ça. Ça aurait été trop clair, franchement, ça aurait été clair. Ouais, En fait, ouais. j'ai accepté de faire un rôle pareil, mais Ah voilà. ouais. En C'est tout juste cas, le moi, problème. ça me plairait vraiment qu'on le fasse. Faut vraiment qu'on s'active à le faire. Donc, en parlant de ça, bah, vu qu'on va essayer de le faire, déjà, on aimerait des postulants pour être des kikous. C'est déjà un kikou de base, enfin peut-être même deux. On va demander à Kawabunga de le faire, et à Ender Matraz aussi. Donc déjà deux. Il nous en reste 100 au moins. Non, il nous faut une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, ce serait vraiment cool. Voilà. On Et donc accepte n'importe qui, que vous soyez con, conne. voilà. Donc Mini Gigi, si tu vois cette vidéo et que voilà, donc si tu veux accepter de faire le rôle, ce serait cool avec nous. Voilà, c'est pour faire une petite Ça, série. En ouais. gros, c'est une parodie. Il y aura un script à lire et on Ouais. te passera le script en format Word où on verra. Voilà, on fera une très grande conversation. Les kikous feront leur bruit de kikou, donc. Ah là là là. Un truc comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à nos deux chaînes. Aimez, partagez, likez. Et aussi, envoyez-nous des messages privés sur YouTube si vous voulez postuler pour un rôle quelconque. Si vous avez des idées pour les scripts, pour l'histoire, on est tout ouïe. Nous, on n'attend que ça. Donc voilà. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine, et surtout, portez-vous bien, comme dit Inquisiteur Zéro. Attends, Ouais, attends, je te tue.
Oh putain, on peut même pas. Lors des combats, revenir. Aïe, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Rêve, j'ai gagné. Toi. Ah, j'arrive. Allez, oui, j'ai gagné. J'ai gagné. Bon, voilà. Allez, c'est parti. On va quand même présenter Isabelle. Je vais faire ça un peu sérieux. Alors, bon. Oui. Comment d'Isabelle. Eh, mais je fais comment, moi. Ah, ouais, merde. Voilà, comme ça. Ah tiens, il y a un mec qui est en train de refaire le serveur. Oula, je vais me faire expulser. Bah c'est le chef du serveur, logique. Enfin, tu me diras. Donc, bah, on va passer... Oh, t'as une épée. Oui, il me l'a filé, je sais pas pourquoi. Il est passé devant moi, il m'a filé une épée. Guerrier. Alors, il y a aussi des kits. Donc, par exemple, kit guerrier. Vas-y, essaye-le. Hop, alors, attends. Genre, slash kit guerrier, c'est ça? Ouais, slash kit guerrier. Bon, ah ouais, c'est magnifique, c'est génial. Hop. On garde le kit pour d'autres occasions. Moi je me mets. Moi, je préfère me laisser comme ça. Donc. Pardon ? On fait le deuxième portail. Ouais, on va dans le deuxième portail. Donc par contre pour l'Inde et le Nether, on n'a pas besoin de vous montrer à quoi ça consiste. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Hein. Alors ça c'est quoi ? Ici c'est la mine publique. Là où tout le monde peut aller miner ce qu'il veut. Donc, le spawn. Bah bon, je trouve assez basique, mais c'est ça qui fait son charme un peu. Ouais, c'est clairement c'est classe. On a une vue sur le ciel. Ouais. Ça c'est assez chouette aussi, surtout de nuit. Est-ce que ça reste toujours de nuit ou c'est le jour parfois? Parce que certaines fois, parfois il coince à la nuit. Ah ouais, je pense qu'il y a des fois le jour. Donc ici, la mine à bois. Donc en dessous c'est une mine normale. Hein. On va aller vérifier quand même. Voilà, bon, mais c'est une mine normale. Et donc, en dessous, la mine à bois, bah, c'est du bois qu'on va miner. On va miner, voilà. Bon, hop, on va revenir en arrière. On va aller voir. Alors là, on a des fours aussi. Ici, ce qu'on peut, bah. Oh, j'ai plein de trucs dans mes coffres. Bah, ici, il y a des coffres de l'Inde avec des endroits, des sortes de petites. Ah, tu t'es coincé. C'est parti. Quoi je fais? Ah. C'est parti, j'ai pas compris sur le coup ce qui s'est passé. Ah bon, t'imagines, t'aurais pas eu d'aide ou quoi que ce soit. Ah non, c'est parti, on ressort. Donc ici, le Nether, bon, tout le monde connaît le Nether, je pense. On va vous présenter le Nether. L'Inde, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas d'Ender Dragon, hein, pour que... Il est déjà mort. Alors le monde faction, bon, on va voir seulement le spawn parce qu'après c'est oula, c'est bah, des terres normales, hein, c'est juste normal. Donc, voilà. Ça. Oh, t'as été éjecté? Oui, j'ai été éjecté, il y a une tête de notch. Et je vais te tuer, vu que tu t'es, il y a du PVP, à l'assaut. C'est derrière toi. Aïe, c'est pas la... C'est pas un combat effréné qui se fait devant vos yeux, vos amis. C'est la revanche, la dernière fois, tu sais, le truc au canne à pêche là-bas. Ouais. Tu sais, quand on avait joué au canne à pêche, là. Ah, hop. Ouais. C'est la revanche. Ah, je suis mort. Oui, j'ai gagné. Oh là 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 là. Il y a un squelette qui me poursuit aussi. Bon, ben, je retourne au spawn. En fait, l'Ender Dragon, il est pas là parce qu'en fait, à force de se faire rouler 1000 fois dessus par des mecs, il a pris sa retraite. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Allez, c'est reparti, donc on va voir d'autres portails. Qu'est-ce que ça bug? Le shop, donc je sais pas s'il a été fini la dernière fois que j'étais allé, il était pas... Ah non, merde, je me suis trompé. Donc, ah aussi, je pense qu'il est bon de vous en informer. Le serveur a ouvert il y a peu de temps, donc quelques jours seulement. Donc voilà, le shop a été terminé. Hein. Donc voilà, les prix... sont assez bien face à l'argent qu'on gagne en tuant des mobs. Ouais. T'as pas encore vu, mais moi oui. C'est un serveur qui utilise à peu près tous les serveurs aujourd'hui. Ouais. Le système d'économie, donc... Oui, donc dans ma vidéo, on t'entend pas très bien, donc... Tout ça à cause de Windows 8, hein. Voilà, Windows 8. Donc, oui, ce qu'il disait, c'était que... tous les serveurs, presque tous les serveurs utilisaient le plugin iEconomy pour
pour l'économie. Donc le monde mini-jeu, donc l'avant-dernier monde. Donc ici le monde mini-jeu, donc toujours ta paradise. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est la classe. Oh, c'est la classe. Voilà, magnifique. Hop. Donc ici bah des mini-jeux. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vais rentrer dans le truc de diamant. Ah non, le portail n'est pas ouvert, bon, dans le truc de neige. Il y a un mexicain. Il y a le créateur. Je l'informe qu'on fait le test, hein. On fait la présentation. Alors, donc, à la notre classe, il y a quoi ? Le Guncraft. Ah, il va y avoir un Guncraft. Ça va être très sympathique. Ça va être la classe. Ce que j'aime bien aussi, c'est le paintball. Je sais pas s'ils ont. Ouais, ah, il a fait un petit cœur. Coucou YouTube. Ouais, voilà, hop. Coucou YouTube. L'écraseur. Hop. Ah, l'écraseur, j'ai hâte de voir. Allez, on fera peut-être des vidéos sur les mini-jeux s'ils sont sympas. Parce que je ne doute pas. Donc, bon, eh ben, on va dans le dernier monde, je te propose. Ok, donc rappelle-moi, c'est un serveur qui est hébergé chez OMG Serve et qui contient combien de slots? Alors ce serveur, il contient, je crois, bah, le max de slots. 1000 slots, je sais. Bon, vous voyez, il y a quand même des kikous dans le chat. Non, je déconne, ça va pas faire, non. Non, non, coucou YouTube, mais c'est des petites blagues, hein. Donc, ici, la dernière salle est sans doute l'une des plus importantes. C'est la salle des admins, enfin du staff et des grades qui puissent y avoir. Donc, alors, y aller, et donc, viens par là. Ah, on passe par le commencement. J'arrive, juste ici. Donc ici, les grades qui sont à acheter, donc archer, un start pass, paladin, deux start pass, hein. Assassin, 3, héros, 4, exact, et etc, etc. Je vois ça. Donc après le staff, je vais parler après d'un truc que j'adore, enfin que je trouve vraiment hyper bien sur ce serveur. Donc Ta Paradise, on va l'appeler Ta Paradise, hein, parce que c'est son pseudo, hein, c'est ça. Donc qui est fondateur du serveur. Elysium qui vient de se mettre AFK et cofondateur. Diablo, admin, Meturax, admin aussi. Yozam Modo, Coolboy Modo, RC Coder, RC Plugin Maker, RC Architect. Donc voilà, donc là les trois derniers sont des triplés, voilà, comme ça vous le savez. Exactement. Voilà, ils ont la même tête. Voilà, et hop. Ici, donc la pancarte en dessous, donc pour si on veut postuler pour un grade du staff, et eh bien tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un clic droit sur la pancarte free. De prendre un livre avec une plume. Ouais. Par exemple, moi je mets exemple pour YouTube. Donc voilà, on met le grade qu'on veut, donc au modo. On va annuler dans exemple pour YouTube. Donc là je mets modérateur. Après pourquoi je veux devenir modérateur, je mets. Je sais pas. Là, et après, donc voilà, nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut améliorer? On signe par du mania. Voilà, on met ce qu'on veut. Et demande, hein. Vous appelez ça demande, faites comme vous voulez. Et là, on jette dans le hopper. Franchement, là, c'est vraiment une excellente idée. Sérieux. C'est Et donc là, c'est un truc que. Je sais pas si c'est que j'ai jamais vu ça sur d'autres serveurs. J'en conçois pas trop des serveurs multijoueurs, mais voilà, en tout cas c'est un système que j'avais jamais vu encore. Moi je trouve ça très pratique comme ça, il n'y a pas des petits trucs qui vont dans le chat et font hey, faites modo please. Je suis très fort en architecture. Ouais. C'est ça parce qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Par exemple, quelqu'un qui tient. MVG, hein. Je m'égare. Non, c'est des petites rancunes qui reviennent, je devrais pas être comme ça, non, c'est dégueulasse. Il y a une dernière chose que j'aimerais te montrer. Oui. Donc, ici, donc, bienvenue, un accueil chaleureux. Attends, ok.
Ah, monsieur Xenered d'une dose. Désolé pour écorcher ton pseudo. Mais c'est comme ça, c'est ça la vie. Alors, ici, là, si on regarde bien. Où es-tu? Mm-hmm. Où es-tu? Je sais pas où tu es passé, mais c'est pas grave, vas-y, filme. Bah, retourne vers le spawn, là. Mm-hmm, j'y suis. Mais tu sais, là où t'as vraiment commencé, tu sais, là où t'es sorti. D'accord, ah, d'accord. Je te vois, t'es en face. Ah oui, voilà, je suis là, j'arrive. Petit aviateur. Je te rejoins. Tintintintintin. Mon amour. Oh putain, j'ai été expulsé. Non, le destin, nous. Nous a séparé. Nous séparé des destins d'émeraude. Ouais. Alors, donc ici, la boîte à idées. Donc, même principe que pour... le staff, hein, pour les demandes, on prend, on fout dans l'hopper, et là, chaque jour, les membres du staff viennent regarder les coffres et regardent les idées. Alors, bon, on va se quitter sur ce, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vraiment se quitter, j'aimerais discuter avec Visiteur Zéro devant vous, parce que je sens qu'on a oublié un truc depuis un an, bientôt un an, peut-être plus, je sais plus quand ça date. Je veux bien sûr parler de ce qui coûte d'aide. Alors, as-tu oublié? J'avais un peu oublié, ouais. Clairement, pendant ces vacances, ça m'est sorti de la tête. Et plus, on n'a pas pu tourner. Donc, ce qui coûte d'aide, tu voudrais remettre au 5 ans, même si on va le faire, je sais même pas si on va le faire. Ah bah moi pour moi, même si le nom fait un peu kikou, c'était je venais de débuter à Minecraft quand on a pensé à ça. C'était avant qu'on l'annonce, c'était bien avant qu'on l'annonce ça. Honnêtement ça compte beaucoup, c'est ce qui m'a donné envie de devenir youtubeur. Vraiment, c'est... Moi j'aimerais vraiment qu'on le fasse au moins rien que pour le LOL. Voilà, donc raté, on va... quoi. Pour ceux qui ne savent pas, donc The Kiku Dead, c'est une parodie de The Walking Dead, sauf qu'au lieu d'avoir des zombies, ben, c'est des Kevin qui envahissent la Terre. Ouais. Et voilà, et donc on a un grand méchant, qui est donc qu'on devait appeler... Mini Gibby. Voilà, ça devait être le grand méchant de l'histoire, je devais lui proposer pour qu'il fasse...